canadien, mais je sais pas, j'ai une aversion contre cette équipe-là, faut croire. What are you trying to say to me, moi? Maintenant que je suis à Toronto, je me suis pris à aimer les Leafs. Je me suis pris à revenir à ses anciennes amours, à suivre le hockey, à savoir quels joueurs sont ci, quels joueurs sont ça. Puis là, ben, avec l'arrivée de cette nouvelle saison-là, l'arrivée d'un nouveau commanditaire principal de la Ligue nationale de hockey, on parle de Reebok. Oh, I'm going insane! Point nommé. Il y a des nouveaux uniformes. Vous avez vu? Avez-vous vu les nouveaux uniformes? Au départ, là, quand ils ont annoncé l'année dernière, on a dit, c'est le tissu dans lequel on va fabriquer les uniformes, ça va rendre ça plus léger, les chandails vont être un petit peu plus ajustés, ça va, ils vont s'étirer un peu plus, donc les joueurs vont pouvoir bouger beaucoup mieux, ça va être plus difficile de les accrocher par le chandail. Donc, c'est déjà une bonne idée. Une bonne idée, Ce n'est qu'on a enlevé le TLM qui était sur l'épaule. On a enlevé aussi les barres blanches dans le bas. Ça fait que il y a des barres blanches au niveau des jambes, puis après ça c'est bleu jusqu'à la tête. On a redessiné également plusieurs chandails des équipes de la Ligue nationale. I need a taxi driver. J'aime pas les Canadiens. Drive. Je trouve que leur chandail, le blanc est absolument affreux. C'est pas un des plus laids de la Ligue nationale. Le rouge est potable. Le rouge est potable. Et là, Reebok a encore fait une